Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous présente pour notre émission 100% basket. Même si 100% basket, je vous dis qu'on est en Ligue des Champions. Cap jouer ni demain, tout Ligue des Champions à jouer. Tout le monde a utilisé Boulio, Ligue des Champions. Mais je vous dis à ces baskets liés. Nous avons le premier tour fini depuis le, qui commence depuis le 16 avril. Qui a été fini dernièrement là. Et puis le deuxième tour a commencé dimanche là, avec nous avons série Rio. Qui est semi-finale a commencé à Boston. Équipe Milwaukee Bucks ça et ensuite nous gagnons Warriors avec Phoenix tout qui a commencé deuxième tour, nous gagnons Miami tout avec Philadelphia qui a commencé tout, nous gagnons Phoenix avec Dallas qui a commencé toute ma série ça nous va analyser avec nous pour nous dire comment série est, comment playoff a dérapé, nous va faire provision tout pour nous garder qui est capable de faire finale NBA. Moi j'ai beaucoup de na Napoléon Sané qui comme co-animateur émission ensemble avec nous, nous gagnons Pipo qui sous caméra avec notre technicien qui est dans le studio. C'est pour Stéphane, moi salut tout le monde, qui aime la vidéo, partagez pour plus pour carabouer, monsieur ça, ça va une super émission. Bonjour tout le monde et bonsoir, tout dépend de l'heure, regardez Fernando Live Basketball. Jacques-Audi, jeudi, Antoine, mais bon, l'autre émission, donc 100% basketball. Donc en prévision, nous allons analyser 4 matchs playoff, donc nous sommes capables de dire mon carré magique sans surprise les deux bords, parce que c'est premier à quatrième dans chaque conférence. Qui vient dans le carré magique là, donc c'est vraiment pas une grande surprise. Donc ensemble, nous allons analyser le match basketball pour nous voir comment prévision y est, comment demi-finale y est capable de passer, qui joue nous, qui a bien prouvé, et sans compter des blessures que nous avons qui nous battent à ça, qui est capable de baisser certaines rencontres dans l'intensité. Oui, tant que tu as des blessures, on va prendre en série Boston face à l'équipe Milwaukee qui n'a pas gagné. Middleton. Et ensuite, on a eu après le match, qui est dimanche à 1h, match nous tout le monde a regardé. Nous équipe Milwaukee, sans complexe, qui bat l'équipe Boston 101-89. Avec le Tatouma avec John Brown qui flotte dans le compte ça. Il a eu 2 à faire 33 points. Et puis aussi, il y a 32% dans le shoot, 10-31. Et il n'y a pas de points, même à côté de Giannis, même qui sont puissants, qui sont un joueur qui est dominé, qui a pris MVP. MVP à ses meilleures saisons. À côté de Jokic, nous connaissons qui était éliminé face à l'équipe Golden State, qui était passé 4-1. Nous connaissons aussi qui était très facile pour Golden State. Avec super joueur Golden State, le prend Poul, le prend Kerry Evin, le prend l'équipe Clay Thompson. Tant d'autres, Jimon Green, nous connaissons. Jimon Green qui a fait un travail défensif. Jokic a dit. Nous avons équipé Milwaukee à battre équipé Boston. Mais on s'est dit d'essayer ça. Bon, souvent, nous avons toujours crédit avec l'offensive. Les bons joueurs, par exemple, à ton match, ils ont gardé jouer à gratter match, mais ils n'ont pas crédit avec défenseur. Je pense que dans le match, si tout le monde a regardé, je pense qu'il faut que vous commencez par crédit avec défense équipe Milwaukee Box. Parce que si nous regardons dans le déroulement match, tout le monde connaît Pigoza Boston gagne, c'est étouffé match. Je l'aime dire étouffé, c'est rendre match dû. Et nous, l'équipe Milwaukee, malgré un peu le monde qui est absent, un champion offensif, je pense que c'est le meilleur score de l'équipe de Giannis. Donc, il là, tout le monde voit que Milwaukee a gagné un peu de difficulté parce que focus là, c'est d'essayer de réduire Giannis et puis rendre l'équipe et Milwaukee dans la difficulté pour scorer. Malgré tout, nous avons supporté une casse là, particulièrement Bobby Portis avec Garrison Allen. Je pense que monsieur, ça a été un bon backup dans l'équipe Milwaukee. Et je pense que son série jusqu'à aujourd'hui, là, malgré un 0 qui est très ouvert. Oui. Parce que c'est des équipes qui plein d'armes offensives et défensives en même temps. Et donc, je pense que dans le match nous dimanche là, ça a montré qu'il y a quantité de ressources l'équipe Milwaukee a gagné. Malgré au perdu lieutenant et Chris Middleton, qui selon l'information qui a raté toute série. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est Milwaukee parti pour une bonne série. Parce que la caille, dans le Garden, dans le Boston, côté Boston, c'est 2-0. Dans l'ouverture playoff, il n'y a pas de compétition du tout. Donc, l'équipe Boston qui tombait sur l'équipe Milwaukee, je pense qu'il était préparé en série. Je pense que jusqu'à présent, c'est très équilibré. L'équipe Milwaukee a montré que c'est le pari pour l'équipe Boston. Je vais vous suivre ça et Napoléon. Sur les qui n'ont pas gagné Milwaukee, ils jouent de toute façon. Il fait Giannis monter ballon et puis Giannis a fait double team dans le et puis on est facilement lui sorti ballon pour shooter à 3 points. Yes, parce que ni pas présent parce que shooter à 3 points après répondre. Oui, parce que Negio là pour porter ça avec et Garrison Allen. Allen next au but qui était déo par moment dans match défensivement, monsieur t'a bien défendre dans match et offensivement par moment monsieur t'a porté support. Oui, là pour qu'on tente next à tout next à c'est bon shooter à 3 points. Moi c'est Macbouden dans fait un gros travail avec équipe et Milwaukee parce que même auparavant mais Boston a un problème. Le problème Boston,
il va gagner. C'est ça que c'est sacrifié. Vous pensez supporting Cavs Boston. Non, là il pas rapport avec et non, pas rapport à Milwaukee, ça arrive ben différent mais pensez Pritchard, pensez monsieur il y a assez éléments pour parce que déjà dans 5 départs Boston, c'est un 5 départs qui ont pile énergie. Oui. C'est l'autre rentre au devant, c'est trois jeunes garçons qui à la fois offense et qui ont pile énergie défensif. Donc tu devant on dit mon monde qui suit vos balles là qui partage les ballons moi tu devant c'est Marcus Smart et puis John Tatum et puis Jalen Brown parce que c'est trois jeunes garçons qui offensivement gagnent pile énergie et défensivement tout gagnent pile énergie et c'est une raison dans série contre Kyrie Irving et Dwight next out et à l'aise pour défendre parce que à chaque fois Dwight switch sous n'importe quel nègre tombé c'est qualité défense c'est même niveau qualité défense je dis à différence il y a Yanis nous connaît son longinée son nègre qui fait 2 mètres et qui gagne ça relé explosivité là avec ballon. Les laps sortent ici en transition, yo, sont des qui déjà soit gardé même c'est presque une longue à pile, tellement même c'est long. Et monsieur son nez qui gagne en pile à bas, c'est une bagaille qui moi-même c'est particulièrement les laps suivent. Yannis c'était une nez, je pensais qu'il était gagné limite. L'homme dit, je pensais qu'il était gagné limite. Là, je pensais que les autres bloqués, monsieur, dans peintre là, pour difficulté, monsieur, de gagner avec jumper, je dis à monsieur, montrer l'autre qualité. Parce que monsieur commence à travailler chute li souligne là c'est franc je dis à Giannis parce qu'il a chuté à 49.3% donc moi c'est année passée qu'il a chuté à 31% donc moi c'est son équipe fait travail dans lui-même et moi c'est en tant que capitaine motivation monsieur fait que tout reste tout plat monsieur moi c'est je dis à là ça fait encore des Milwaukee mais contender pour titre là qui c'est oui c'est travail monsieur te fait passer par avant tu contre critique Giannis en pile parce que depuis bloqué Giannis dans pénétration a dit chute là il nul monsieur venir travailler chute là et pour Kounia monsieur venir répondre par rapport avec toute critique yo et pour c'est ça que fait monsieur champion NBA oui allez c'est champion titre là on a parlé de lui parce que équipe Giannis équipe Milwaukee avec l'arrivée de Jolide qui vient qui pour ton bagarre en plus pour équipe là ni offensif ni défensif parce que c'est un gros joueur son bête défensif oui. Eh, bah ça mon Middleton il va gagner non? Il va gagner Hill tout non? Oui. Il va gagner Hill tout, son gros défenseur, son bon milieu tout va gagner tout qui rend l'équipe là tout et c'est très bien. Mais ouais ça mais vous donne nos messieurs et changer l'équipe là complètement, a dit par rapport avec Middleton il va gagner comme c'est celle monsieur l'équipe là, on dit comme ça Lock et Monitam là, c'est monsieur capable de jumper. Oui, là. C'est clutch équipe là dans Monitam là. Et ouais monsieur il vient résoudre problème ça lui-même. Il a dit, il n'y a pas de Middleton, ça va pas problème jusqu'à présent. On sait qui est 0 qui est ouvert, je te dis, même ça, on va lancer ça même. Qui a fini? Même jusqu'à aujourd'hui, je pense que Udoka a gagné un travail pour le faire avec l'équipe Boston, pour le répondre avec Atlantic face à l'équipe Milwaukee. Je pense que dans le deuxième game, non, Milwaukee n'a pas changé de donné. Il a continué à mettre Boston en difficulté pour scorer, pendant que lui-même a essayé de faire en transition. Parce que nous connaissons déjà l'explosivité, monsieur, en transition. Il a une chute à 3 points, les défenses sont pour qu'on place, et il a une Yanis, elle fait pénétration. Déjà avec longueur main les longueur pied les ou rien plus difficulté pour défendre contre lui donc moi c'est Boston qui pour moi c'est qui travaille là était bon côté Boston assez Milwaukee au début là il fait premier step là il gagne un match avec Boston dans City Garden là et moi c'est puis bon pas en équipe qu'a fait c'est tout l'autre bon adversaire coriace dans l'équipe Boston donc moi même moi c'est que Milwaukee en pourcentage dans la série ça tout simplement parce qu'il a pas gagné Chris Middleton parce que son avantage 51-49 malgré 1-0 parce que Boston supposé répondre dans le game mais fanatique Boston capable du tout il te fait mais Kevin Durant leur prend la carrière je suis plus gros je pas Giannis même si on est dans dernière année là Giannis il a prouvé comme si le contraire oui en termes de carrière même pas Kevin Durant mais négro il n'est pas capable du tout fanatique Boston capable du tout monsieur fait mais Durant quand on fait bagarre il va faire mais et Giannis parce que Durant est plus move que Giannis il gagne plus oui oublier ça vous comprendre size n'est différent. Giannis on est qui très explosif les en pénétration qui différent de Dwight parce que Dwight souvent les mener Dwight dans pente là avec 3 4 les capitaine ou après Dwight toujours prend jumper. Giannis fait le contraire parce qu'il connaît c'est pas force, il continue avec pénétration. Donc c'est des joueurs capables dire qui dans premier mais c'est des joueurs qui ont style de basket qui plus ou moins différent parce que Dwight son est qui casse courir n'importe côté dans bon terrain. À droite ou à gauche dans tes pente là à 3 points ou 2 points Dwight il facilite ça. Qui différent de Yanis qui connaît c'est pas force li ça mais qui exploite l'autre force qui c'est explosivité dans la pénétration. Je pense que stratégie pour fermer Dwight là, les différentes stratégies pour fermer honnête pour Yanis. Oui, Yanis capable poster et Yanis capable aller vite en transition. Mais jusqu'à présent, il va reposter jusqu'à présent, non? C'est pas force à jouer, elle dit les jeunes méditations. Et c'est pas une façon comme si Boussou capable faire lui-même pour le fermer Yanis comme si elle fait Yanis.
coupe transition. Coupe transition, c'est une façon pour faire. Oui. Mais suivez ça, à chaque fois que vous essayez coupe transition, Janis, toujours un monde qui open men et vous prenez 3 points. Souvent, c'est dans le cas où après, les Janis en pénétration et qu'ils font tant de pièges là, et puis, vous pensez que ça, c'est le travail coach. Non? Et puis, après, facilement, Janis descend le ballon, on est libre à 3 points parce que plan, c'est pas répénétration de Janis, c'est pas contourner tout terrain. Et chaque fois, Janis en position, ça, il va y. On vêtu avec l'équipe et Milwaukee a pour jouer sur la droite. Et nous connaissons les gens qui sont là, Garrison Allen, Bobby Portis et Wesley Matthews, Pat Connaughton, tout le monde, c'est des snipers. Oui. Donc, si vous avez une opportunité pour vous open tout le temps, donc vous avez une possibilité pour vous tuer à droite. Moi, c'est Eduka Fol font moyen. Fol font moyen par rapport à l'Ijon. Ijon Gosset. C'est le game moyen. Il y a le game moyen. Mais ça, ça pas mon point de vue, c'est Marcus Smart qui est certain pour game 2. Ouais, c'est pas Marcus Smart dans game 2. Monsieur qui frappe dans le ball droite là, non. Oui, monsieur très très important pour l'équipe Boston. Hein. Si bon, si pas Marcus Smart, il dit pas meilleur défenseur de ligue dans le moment. Ouais, si on joue qu'à finir meilleur défenseur ligue dans son saison ou pas gagner, ça veut dire défensivement c'est au bon gros âme pour pas gagner. Si tout ou t'as pas des supporting cast, ça veut dire t'as pas des bancs. Automatiquement un joueur qui dans 5 départs la blessé, son monde qui était sous banc a monté et là ça va diminuer encore dans ressources côté gain sous banc. Vous mettez à disposition l'équipe là, c'est tout. Boston presque à fond rotation à 9 joueurs. Oui, même si c'est 9 joueurs, oui, mais vraiment, vous n'avez plus à faire. Pas besoin de 9 joueurs, vous avez 7 monde. Vous avez un bon 6ème homme. Vous avez gardé le goal de la moment, ça a même bagaille. Et pour un plus joueur, vous avez gagné. Même si vous avez tout le monde joué. Mais il y a des éléments qui sont très importants pour vous. Oui, même pas depuis ces périodes de playoff, rotation très limitée. Parce oui, c'est 7-8 joueurs. Vous avez 7-8 joueurs, vous avez 2 à 3 monde qui sont très importants pour vous. Pour qu'il y ait bien et champion. Absolument, j'ai l'équipe d'Itouat là qui est champion en 2004. C'est parce qu'il y a 2 joueurs seulement qui étaient quand même. Oui, et c'est Linson Hunter. Linson Hunter et puis Anthony McDay, ça veut ça. Tout ce débat là, c'est eux-mêmes. Il y a des gens qui sont dehors et puis il y a des gens qui sont capables pour eux. Parce que le retirer Beno bien, Rachid Ola, c'est monté. McDay, c'est le retirer on est dehors. Le retirer Hamilton bien. Puis l'offre, c'est monté Linson Hunter. Bon, et je ne t'ai pas dit, c'est Milwaukee. Son série, on dit comme ça, on dit Milwaukee. Très ouvert, moi, je baille Milwaukee en avantage 51-49. Parce que sans Middleton, l'équipe la répond. Mais c'est vrai, on n'a pas gagné Middleton, ça veut dire continuer la série à sans Middleton. Donc, moi, c'est après game des zéro, analyser le cas pas plus profond. Parce que les ça, on a vu qui ça, l'équipe Boston, on a gagné dans Jacob Lee pour répondre avec assaut offensif et assaut défensif, équipe Milwaukee Box. L'autre série qui gagne la conférence, ça, c'est Miami face à l'équipe Philadelphia. Philadelphia qui va gagner MB ici tout le monde ouais Philadelphia va gagner mais Joel là c'est monde qui tout le monde saison ça c'est une année qui très proche pour d'après c'est contender pour MVP pour MVP là bagarre il va gagner monsieur pendant game 1 et game 2 nous ça tourner game 3 mais on va prendre la game 3 possibilité pour monsieur tourner dans game 3 oui par contre j'ai tourné il va prendre 3 ou bien dans 4 si monsieur pas retourner pour équipe là ensuite tout James Harden hier soir qui flop dans rencontre là a dit monsieur fait moment difficile 16 points a dit monsieur pas même une meilleure marque équipe et Philadelphia l'a pas gagné et Aden qui pas répondre et ensuite au Gambi qui pas là pour qui c'est meilleur joueur équipe Philadelphia et puis hier soir on a gagné Miami yo calé équipe Philadelphia t'as pas tiré une petite non il dit 106 à 92 sorry on écarte 14 points des gars qui considérable normalement une équipe déjà équipe Philadelphia pendant toute saison reposée sur Embiid malgré transition qui était gagné Ben Simmons qui pas de jouer Aden qui vient arriver et là de continuer reposer sur Embiid et si n'a regardé mettre son malédiction parce que son saison 82 matchs Embiid a raté seulement 11 matchs ça veut dire monsieur était présent pendant 71 matchs pour l'équipe Philadelphia donc on peut comprendre que dans moment décisif moment clé c'est les ça pour perdre meilleur joueur dans l'équipe là moi c'est rapidement on l'autre brainstorming ça veut dire son l'autre gars c'est l'idée pour on l'autre stratégie sans Embiid et c'est pas facile du tout parce que l'autre équipe fait toute une saison reposer son joueur et puis dès qu'on perd du joueur on va jouer face à numéro 1 dans la conférence Isla, qui c'est l'équipe Miami, qui tout le monde d'accord que c'est un potentiel champion parce que l'équipe là, ils vont supporter une casque long, ils vont banquer long. Et je dis à la capable de gagner 6ème homme, qui c'est Tyler Hero, presque sans contestation. Peut-être on est côté un ex-maxi qui peut-être capable de faire opposition à Monsieur, mais si on a regardé en termes de chiffres, Monsieur c'est quasiment 6ème homme NBA. Donc là, on équipe qui est aussi haut de bien comme ça, et puis vient jouer face à un. Parce qu'on a une équipe qui perd 10 meilleurs joueurs, je pense que l'équipe Philadelphia, il n'a tout ça pas bon. Déjà, moi-même, je dis ça, Doc Rivers, c'est mon coach, c'est pas coach préféré. C'est mon coach qui m'aime, mais c'est son coach. Il est tout le temps bam, des flops dans les moments qui sont cruciaux et besoin. Coaching, non, je ne suis pas facile, je ne sais pas. Moi-même, je pense que l'équipe Miami a passé sur l'équipe Philadelphia normalement. Si Embiid a tourné en santé dans le troisième game,
si Serie A déjà 2-0, parce que c'est trop difficile pour Embiid d'aller déjà. Embiid son joueur qui est très physique, équipe Miami, hein, son équipe tout qui joue très physique. Yeah. Oui, j'en t'ai dit pour équipe et Doc Rivers ça. Mon cher Doc Rivers gain shift oui. Malgré monsieur pas comme si monde pas pour monsieur monsieur passe dans NBA, NBA ou monsieur à plusieurs reprises 3-1, balle 4-3. C'est trop flop dans question ça. Trop flop dans bail ça. C'est même j'en tout dit tout. Je dis Ancelotti son gros coach, c'est une parenthèse parenthèse football. Il dit monsieur Ancelotti son coach. Oui, là, il dit monsieur entre dans l'histoire, monsieur fait 6 championnats, champion. La 6 majeur et monsieur tout lui-même qui des flop dans carrière tout. Là on prend 4 coachs, comme c'est 4 à 5 coachs qui gagnent 100 victoires dans la ligue là. Je sais où Nadal. Oui, d'accord. Non, oui, c'est où Nadal. Aïe dit monsieur en termes de chiffres, monsieur gagne chiffre. Donc là, les tout le monde dans le classement 10 meilleurs coachs NBA, donc là fait partie. Oui. Donc la classe là dedans, ça veut dire n'a pas le respect pour Dogla, mais n'a pas parlé d'appréciation moi-même comme coach. Donc Dogla c'est pas style de coach qui vraiment entré dans la logique. Je pense que monsieur bail trop pire dans carrière, parce que monsieur était capable meilleure carrière par rapport avec résultat aussi toi avec équipe. Pas monde qui n'amène tout. Pas généralement par rapport avec monde qui n'amène. Oui, parce qu'il s'en parle là, figeation qui devant avec 229 victoires. Oui, en termes de play-off. Oui, pas Charles qui nous connaît qui fait toute descente qu'on est dans NBA. Monsieur Gon moins de 71 victoires et puis nous gain Popovic 70 pour vous qui va faire plus fan là, mais il fait plus rien table de basse qui paye pas Charles et puis nous gain Doc Rivers qui tape de là avec 100 victoires. Mais deux monde qui va venir là, moi c'est deux monde ça va dépasser Doc Rivers. Donc et Spoltra. Bon, route avec Mario. J'ai gagné 8 victoires dans le thème de playoff. Et puis, même avec 8 victoires. Non, c'est Sif qui est sur 6 ans NBA. Oui. Déjà, nous connaissons tout bon passage qui pourra y avoir. Surtout avec 4 finales NBA de suite, sans compter dans 4 finales NBA, le champion 2 fois. Donc, je pense qu'il pourra y avoir ça. Il mérite pour Sif qui est là, je tiens là. Oui, et nous avons dit hier soir, l'équipe Miami qui bat l'équipe. Il arrive à 6 Académie 12, c'est allé où il fait 25 points. Bernardo Bayo qui fait 24 points. 12 rebonds. Jimmy Butler qui fait 15 points. Et puis Ndidi Dissaden qui fait 16 points pour l'équipe là. Et puis Maxi qui fait 17 points. Mais Mac équipe et Fiafia, c'est Tobias Harris qui fait 27 points. Moi j'essaie une série, mais même c'est une série qui est très facile. Son c'est et match ça et Memphis et Pedia, mais son manque d'expérience qui fait le Pedia. Mathieu là. Parce que l'on fait match à et match 116-114, et venir au pont pour la main Clay Thompson. Parce que ouais. C'est son défense à pas à ta place. Parce que des son bain, c'est couru sur Clay. Et moi, c'est tapé en 5 pour le gagner. Pour c'est toujours été proche avec les joueurs pas shooter. Parce que l'on couru sur le après, il fait fête dans les vidéos. Je me suis fait fête dans les vidéos et des son, et puis il fait 3 points. C'est toi qui as match, qui fait match à finir 117 et 116. Bah, on s'en dit. Je pense que tout. Pendant que je demande d'expérience côté pour l'équipe, Memphis, là, mais on a l'autre bord pour avoir expérience sur l'équipe Warriors dans la cause des playoffs. Donc, j'ai deux matchs dans le morning time. Warriors ont vécu là dans les affaires NBA parce qu'ils très souvent arrivé dans la phase. Mais l'autre bag encore, malgré 3 points, le match a été style ouvert. Parce que Clay Thompson a raté 2 lancers francs qui permettent à ce que Jamon ait une dernière possession. Mais malheureusement, monsieur font l'Europe. Malheureusement, dans 4 secondes, l'Europe n'a pas entré. Il fait équipe même fils en fait 10 points. Oui, manque d'expérience, d'accord. Même pas si, c'est jusqu'à là, dans la série, au moins c'est des équipes qui prennent. Warriors ont un léger avantage parce que Warriors c'est une équipe qui habite ses champions. Et ils ont un trio. Offensive, je dis, a qu'à poser un peu le problème, surtout avec Jordan Poole qui vient à pull-up dans l'équipe. Donc, monsieur qui prend ascendant sur tout le monde qui a scoré. Et je pense que ça a un avantage. Et sans compter avec Jumaine Green, je pense qu'il a donné une meilleure tempérance par rapport avec le comportement de monsieur dans la série. Et si nous avons une déclaration, monsieur fait, on est monsieur sur une menace de suspension. Et puis, monsieur déclare carrément, il dit, je fais 3 ans, je suis champion comme ça. Pas d'intérêt pour me changer de vêtements. Et c'est comme ça que m'habite champion. Donc, je pense que monsieur doit être calme parce que ça. Les monsieur souterrain, peut-être tout le monde capable de beauté dans monsieur. Mais monsieur, c'est un guerrier de sang, son équipe défensivement qui est d'équipe Warriors en ville et dans le placement, équipe Warriors sous transition autour. Monsieur, c'est une année qui joue un gros rôle parce que monsieur comprend des marquages. Moi, c'est une année qui peut bien comprendre ce splash-là. Des fois. Vous avez léger avantage, moi, c'est l'équipe Golden State a un gros avantage sur Memphis. Moi, c'est parce que Memphis a joué au talent. Ouais. Le talent au gain.
Mais en termes de playoffs, en termes de playoffs, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Mais en confiance. Tout. L'homme joue en face de Klay Thompson, Kerry Vini, puis ensuite Jamon Green. À côté des partenaires qui ont fait et une dans playoff, je donne pour la fois pour playoff lui-même. Parce que c'est lui-même. Entrer dans l'équipe. Oui, entrer dans le monsieur. L'entrée dans l'équipe là, tout bon lui-même. Pareil, ça vient de bon monsieur lui-même. Parce que leur côté pile avec sa dispensation. Moi, c'est série, ça, c'est cap. Je pense que Warriors a couru avec Memphis en série. Il a battu pour manque d'expérience. Parce que Marron se suit dans un compte là. Il y a des gens qui ne sont pas faits dans le playoff, pareil. Comme si monsieur a trip sur Negri et Jamouet, sur 3 points. Despond là. Monsieur finit par me dire, d'abord, quand même, je vais danser. Bagaille. Puis le fait que moi, c'est que faut que je puisse réussir dans le playoff. Parce que le fait que je ne vais pas un grain de là-dedans. C'est si mon yoyer, ça c'est parce que si mon yoyer a fait. Moi, c'est et Warriors a fait un calcul plus son. Moi, j'ai essayé ça. Bon, moi, je pense que c'est 1-0 et avantage Warriors. C'est vrai, deuxième game dans le carré. Parce que ça a gagné un peu de série comme ça. Ouais, premier match à serré. Puis le reste game, c'est facilité parce que l'une vient mieux comprendre l'autre. Même pas c'est en plus. Ouais, même sur sorti de dire sorti même coupe la vol là. L'aurait essayé Boston premier match à son point de cas. Et puis c'est fini 4-0. Yeah. À faveur Boston. Yeah, on comprend ça dire mais oui. Si crédit que Mbayo c'est qu'ils sont une équipe qui yo collectif. Oui, yo, oui. Avec Warriors oui. Et yo gagne en pile d'énergie tout. Et l'autre équipe fin gagne Minnesota même si c'est pas une grosse équipe Minnesota, mais ça bail un minimum confiance. C'est vrai expérience là, on pas tout faire ta expérience là. C'est apprendre ou pas apprendre, pas fini par gagner expérience. C'est vrai nous pas capable de crédit sur équipe Warriors qui c'est une contender pour champion. Parce que yo gagne banc, yo gagne coach, yo gagne joueur, yo gagne parmi meilleurs joueurs et yo gagne meilleurs shooters de tous les temps NBA. Ça veut dire yo gagne pile zam et à la fois offensif et à la fois défensif. Mais même équipe même fait ça, yo c'est bon cadeau qui est là. Ça fait une grosse saison, ça passe, ça passe. Bam, ça passe dans ça. Il n'y a pas dit et je m'en depuis un deuxième quartier. Il faut la route. Oui. Ensuite, toujours un petit Klay Thompson. Il s'est fait seulement 12 points dans le match. Oui, moi ça. Et il vient de battre. C'est pour le Klay Thompson dans le match qui fait 31 points. Oui. À côté de Kerry qui fait 24 points. Oui. 24 points. Oui. Il dit que 24 points. Malgré ça. Parce que, malgré ça, Kerry a fait 4 sous 20. Oui. Oui, équipe même fait ça tout de suite. Et Jay Jackson, oui. Jamon, direct, ça abjure bien. Parce que Jamon fait 34 points. Et puis Jackson fait 33 points. N'abdi la série ça, regardez Poul qui a 22 ans. Regardez Jackson qui a 22 ans. Mouret qui a 22 ans. C'est première fois ça a fait non match playoff pour 3 j'ai 22 ans qui aussi jeune fait au moins pour petit 30 points dans match. Parce que Poul fait 31 points et puis et Mouret fait 34 points et puis Jackson fait 33 points. Moi c'est faut négo jouer sur force et Jackson. Jackson, c'est une année qui capote et une salade pour Negro. Parce que c'est ce monsieur pour jouer. Parce que monsieur qui shoot dehors, qui a fait green shot dehors, monsieur, ça important pour vous. Dans le 4ème 4 là, monsieur qui fait gros comeback là pour l'équipe Memphis, il vient de serrer le match. Oui, monsieur était très important pour l'équipe. Est-ce que vous pensez que monsieur est capable de faire toute série à faire gros match? Marco, ça même. Non. C'est pas dimension de jouer. Oui. Donc c'est pas monde ça, c'est pas le genre de jouer ça. C'est des joueurs qui ont sauté du goal dans le match en même temps qui ont flop dans l'autre. Mais son jeune garçon, je pense qu'il ne va pas prendre. Même si l'équipe Memphis a arrêté de souder, je pense qu'il y a une possibilité l'autre année pour une bonne équipe Memphis. Oui. Même si Negro a toujours été, parce que Warriors qui est champion plusieurs fois dans l'NBA. Oui, il était passé par là. Il était passé par là, pareil. Ça, même. C'est un projet, oui. Oui, c'est même les talents qui ont été gagnés. Il y a un Negro qui a été talent tout le même. Moi, c'est dans l'année qui est venu, Negro qui a fait un gros espoir dans l'NBA. Je pense que vous avez tout déjà reconnaître que. Playoff pas mandé toute explosivité ça aussi non a blessé. Oui. Et c'est moi c'est fort monsieur puis tempérer dans cause donc sauvage ça. C'est vrai des fois font donc non match. Il bail équipe la énergie, il fait équipe la retourner mais par moment il y a des nèg moi c'est qui gagne en pile d'expérience qui a fait pour sortir son civière. Oui. Donc et j'en dis hein sur ta en termes de pourcentage je pense c'est tape 70-30. Non pas bail tout ça. Je dirais 65-60-40. Parce que moi c'est équipe et Golden State là avec expérience. Et au compte ça on vient faire même bagarre des autres sauter l'équipe était écrasée donc remonter l'équipe yo elle dit il y a le champion une champion même bagarre ça parce que moi ils sont seule équipe la conférence ouais ça cap bloqué c'est Phoenix qui est monde pour combattre avec même Phoenix ça n'a pas arrivé sur série Phoenix ça va c'est pas grand pile temps oui pendant parler de Phoenix ça Phoenix hier soir qui bat équipe de 121-114 avec trois bons monde et Booker répond et ton répond et puis qui se répond parce que là prend beau et ton fait 25 points Booker fait 22 points Mais c'est étonnant
cap un gros playoff pour Yohanien. Oui, parce que les pays bouquet pas là, monsieur répond. Jusqu'à jeudi à là, dans tout match, monsieur presque répond dans tout match. Mais même, mon bon Green Bay, Mike Phoenix, qui me débaille une favori. Je ne vais pas retirer l'étiquette favori à ce Phoenix. Mais on dirait, par contre, c'est un match contre Enola, l'Emdinola, New Orleans Pelicans, qui comme si il fait mon bon petit doute. Mais je pense que l'équipe ça. Commencer à bon on tire avec moi parce que jusqu'à là dans série d'ala ça me passe mais faut qu'on dans faut qu'on dans série auparavant c'est Pelican ça il y a pas totalement gagné bouquet oui mais attendez oui il a dernier match gagné bouquet Phoenix en bouquet on pense il ta nous là ta supposé poser tout problème ça avec non équipe aller même pas soit garder le ça Macoulom son match de gamine n'est pas Macoulom Ingram c'est deux bons joueurs que tu es oui mais attendez leur gain leur pas aider Chris Paul leur pas aider Andy Atom leur pas aider même sans pas aider Chris Paul c'est son équipe presque la quarantaine lui il est 36-37 ans Chris Paul gain c'est Bamzo moi c'est ça qu'est-ce qu'on match fait pour lui fait 4 points dans lui oui mais oui essaye ton cap pour équipe là tout mais Chris Paul là tout le même il aime jouer au basketball il leur prend comme si c'était moderne comme si l'entrée Kerry n'était pas Rondo Stockton magique next ça yo moi c'est mon top 5 de tous les temps oui me dit ça dernier moment dans dernière émission on est qui beaucoup champion NBA mais il fait partie de NBA 75 ça veut dire qu'en pile considération pour monsieur c'est une année qui gagne plus considération dans NBA malgré son jeu pour combat moi c'est l'accomplissement monsieur était champion pour le champion seulement oui on a pour conférence sur ça nous parler de Phoenix nous parler de l'équipe Warriors qui potentiel pour la finale NBA dans conférence ouest ça pour conférence SNL même parce que c'est Miami face à l'équipe Minokia, mais c'est ça même. Oui, moi c'est ça tout. Même mettre Miami face à Milwaukee ou Boston. Je toujours bail Boston crédit parce que moi c'est nèg yo rivé dans premier et pour j'ai pour moi c'est pour j'ai arrivé dans premier tout. M'pa retirer en sous Milwaukee parce que pour moi c'est une meilleure équipe yo et avec Middleton c'est la meilleure équipe là. Mais et Boston moi c'est qui dans mission moi c'est pas sûr que mission va rapide mais enfin, bah, c'est malgré un zéro, Boston toujours en mission. Ok. Et ou pas ajouter, vous dites, Paul, entraîneur dans l'histoire. Oui, monsieur, dans l'histoire, monsieur, c'est 5e meilleur passé dans playoff là. Parce que le monde qui dit devant, c'est magique, c'est 2346. Deuxième, c'est LeBron James qui parle dans playoff là, qui est 1919. Et puis ensuite, nous avons John Sutton qui est 1839. Et puis nous avons Jason Kidd. 1263. Jason Kidd, c'est actuel coach équipe d'Alassa. D'Alassa. Quand on fait un bon travail, tout le monde était d'équipe d'Alassa. Yeah. Avec Don Tichet, qui ont gros match, monsieur fait 45 points. 12 rebonds, 8 à 6, je suis à 50%, 15 sur 30. L'équipe l'avait dit, qui parle de tout par Spencer Dinwiddie, qui parle de gros match, moi qui fait seulement 7 points dans le match. Oui, il a fait un tonnerre, il a bon son, il a regardé par rapport à ce précédent, monsieur de combien de 27 points. Et Kounia. Monsieur pas bon niveau. Hier soir, monsieur fait 14 points seulement dans le match. Moi, c'est Don Tichet qui va vraiment gagner aide, mais malgré tout, l'équipe d'Alassa, 121-114 pour regarder 7 points. Moi, c'est considérable parce que son mauvais match pour l'équipe d'Alassa et son bon match pour l'équipe Phoenix. Malgré tout, Ricard a arrêté 7 points. Ça a montré que Dallas est toujours dans la série. Oui, pour nous finir, je dis avec l'émission parce que ça, à soi, on a gagné 2 matchs. C'est série et Boston a continué. À soi, à 7h. Et puis. À 9h30, nous avons gagné Golden State face à l'équipe Memphis. Nous avons suivi des NI. Oui, nous avons NI, nous avons des 0 tout. Parce que c'est série Warriors et possible pour des 0. Moi, c'est nouveau et tout fanatique et basketball 100% à regarder les matchs en plus d'attention. Parce que c'est une rare playoff sans le bon James qui gagne toute intensité. Ça là-dedans. Oui. Mon cher, nous sommes bien contents avec vous, Napoléon. Bon, nous sommes bien contents avec tout le monde, tout le fanatique qui fait un live à Haïti. Tout fanatique 100% basket yo et nous tout content avec tout le monde qui t'a suivi yo donc toujours by commenter pour nous capable toujours progresser dans l'émission et n'attendons pas mardi prochain. Merci un peu. Merci.